Bienvenue dans la tempête. Tu vois un peu la gueule de la tempête. Moins 20. Ouais, ça va, c'est assez violent. C'est assez violent, ça va. Bon, bah on va rester là pendant un petit moment encore. Donc, bienvenue. J'ai pensé à faire mes touches avant de lancer la vidéo. Assez content de ça. Il va falloir faire ça pendant au moins un mois. Ça va être relou. Ça va être bien relou. Donc, on a nos thés qui sont prêts. On a encore 5 heures de feu. Donc, on est tranquille. On a 4 litres d'eau. Bon, on a un petit problème bien sûr avec le vent, avec le temps. On va continuer à faire ça. Est-ce qu'on peut-être coudre en attendant? Ah, le problème c'est qu'on n'a pas trouvé de... Si je dis pas de bêtises, on n'a pas trouvé de tissu. Ouais, je crois pas qu'on ait trouvé de tissu hein, depuis qu'on est arrivé. Hein. On n'a pas trouvé grand chose en fait depuis qu'on est arrivé. Apparemment tout ce qui est intéressant est en hauteur, donc il va falloir trouver un moyen d'y aller. Hein. En tout cas pour cet épisode, donc on a prévu de retourner vers notre cabane qui est au centre de... Bon. On va présumer que c'est au centre de la zone, de la région. Et après, on va donc déposer notre corde qu'on a trouvée, enfin qu'on a ramenée. Peut-être la lampe tempête, on va la déposer. On a aussi tous ces morceaux de bois. On en a combien? 3, 4, 8. On en a 8. Donc, niveau flèche, on est nickel. Honnêtement, on est très bien. On est très bien. J'ai l'impression d'entendre des pas des fois. Alors... Très bien. Allez. Voilà, très bien. On va les préparer tous, comme ça ils seront tous préparés du coup. Et on pourra les faire quand on veut. Eau potable, très bien. On va encore dormir une heure, deux heures. On va voir un peu si le temps change. Parce que j'ai pas vraiment envie de me déplacer pendant la tempête. Parce que on avait plus ou moins prévu de dessiner. Donc ça casserait un peu notre plan. Surtout qu'on n'est pas très loin de notre antre du pêcheur. Ah tiens! Ah, peut-être que c'est lié, ça. Ah. Pas mal. Ouais, mais en tout cas, il faut dessiner, là. J'ai envie de dessiner, là. Donc, je voudrais vraiment que ça se calme et qu'on puisse partir. J'allais dire on va dormir, mais on est en pleine forme. On va encore faire ça. Bon, ça y est, on arrive à la fin. Ah, je pense qu'on est bon. Du coup.
On va prendre des torches. Je crois qu'on va détruire notre feu. Oh mon dieu, ça va prendre 3 ans. Hein. Ça aussi, le fait de ne pas pouvoir éteindre les feux, c'est vraiment très très embêtant. Parce que je voudrais bien pouvoir éteindre le feu et récupérer le charbon. Il fait froid encore ou quoi? Non, ça va. On entend beaucoup de vent par contre. On entend beaucoup de vent. Ouais, ça aussi, le fait de pas pouvoir détruire les feux, en fait, de pas les éteindre d'un coup, je trouve ça vraiment bête qu'ils aient pas rajouté ça. Parce que ça serait vraiment utile. La seule façon de le faire, c'est ça. C'est ce que je suis en train de faire. Mais bon, après, vous avez plein de torches, il va falloir les détruire aussi, les torches. Donc, c'est pas le moyen le plus rapide. Bon, après, dans le jeu, si on parle du temps de jeu, ça passe. C'est pas... On va dire que c'est potable, le temps qu'on prenne une torche, qu'on l'éteigne, qu'on la détruise, etc. Il n'y a pas beaucoup de temps qui passe. Pour nous, c'est chiant à jouer, en fait. C'est ça, le truc. C'est surtout ça. Surtout la collecte, en fait, qui est longue, alors que normalement, c'est 2 minutes, je crois. 2 minutes. Il pourrait faire un... une animation plus rapide. Enfin, bref. Très bien. Encore 1 heure. Détruire ça et on va dormir. On va dormir encore 1 heure et on va sprinter jusqu'à notre camp. Si on n'est pas vraiment fatigué, il est déjà midi, on a perdu beaucoup de temps avec la tempête et tout. Mon dieu, qu'est-ce que c'est fort ce bruit de vent. Ah, mais ils vont plus être chauds l'été. Non, si, si, ils sont encore chauds. Ça dit froid, mais c'est chaud. On a très bien. On a 4 litres d'eau. On va... Hop. Très bien. I'm not sure I can carry much more. 43 kilos. 40... Ouais, 43, ça va. Ça va, ça va. On va manger un peu des massettes parce que c'est vrai qu'on va être un peu à court de calories, même si on boit du thé. Oh, mais sinon ça se passe bien. Ah, très bien. La braise, on va boire ça. On va boire les deux, honnêtement. Parfait. Ok, let's go.
Okay, faut qu'on reste protégé du vent. Bon ben voilà, c'est parfait, on n'a pas trop froid, on a notre bonus de chaleur. On est en pleine forme. On est assez protégé du vent, donc on va pouvoir tenir un petit moment. Qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré du charbon, ce qui est très bien aussi. Le vent se calme, très bien. On a bien récupéré tout ce qu'on devait, hein. On a récupéré tous nos bois aussi. On en a 9 en tout, 9. C'est parfait, c'est parfait. C'est quoi ça? C'est un caillou? Ouais non, c'est un caillou. Peut-être des fois on dirait un peu des... Comment dire? On va pas dessiner ici, ici. Si on dessine ici, ça fait quoi? On dirait des containers en fait d'avion. Le mieux ça serait de dessiner quand on est en hauteur en fait, quand on est tout au-dessus là. J'ai l'impression qu'on tombe dans la glace des fois. Non? Genre que ça s'affaisse et nous on tombe. Bon ça va. Moins 5, ça va, ça va. On devrait pouvoir dessiner le quasiment tout notre chemin. On a récupéré pas mal de thé aussi, très bien. C'est marrant aussi de pas connaître les zones, parce que du coup on se sent un peu obligé de tout fouiller évidemment, pour trouver tout ce qu'on veut. Alors que quand on connaît déjà les zones, parce que les autres zones je les connais, donc je sais les endroits intéressants, donc on va surtout aux endroits intéressants et pas vraiment autre part. Ah voilà. Ce qui est normal, hein, ce qui est logique. Ah, surtout encore une fois en intrus. Mais là c'est vrai que c'est une nouvelle zone, donc on se doit de vraiment tout fouiller. Parce qu'il n'y a pas de map qui existe encore. Je crois qu'il y a des gens qui ont commencé à... Genre ils y sont allés en normal ou en facile sûrement. Ils ont commencé à dessiner les maps déjà. Et ils ont posté sur le forum de Steam. Donc si vraiment vous recherchez de l'aide par rapport à ça, vous allez sur le forum de Steam, vous pouvez facilement voir ça. Donc du coup on a bien dessiné la map. Ouais, c'est pas mal. On a un arbre là. Apparemment. Ah donc vous pouvez trouver ça facilement. Je le trouve pas ton bout de bois là. C'est moi qui suis aveugle. C'est un jeune bouleau vert, c'est pour faire un arc ça, non? Je suis aveugle. Bon, c'est pas très grave. Mais... Normalement, il est là, dans cette direction. Non, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on connaît ce pont, là, ou pas? Celui-là, il a pas l'air d'être très haut, en fait. J'ai l'impression que c'est un troisième pont. Je dirais que c'est un troisième pont. Ça c'est le pont, ça. Ça c'est le pont.
Ça va, donc on les voit sur les cartes, c'est bien ça. Donc du coup, là, on va dire bonjour à notre ami l'élan. Il va falloir faire attention. Ça ferait 3 ponts à passer, je dirais. Ouais. Vous avez eu la hauteur de celui-là? Ok, les corbeaux qu'on entend, ouais, qu'on voit là, ils sont là juste devant. Là, ça c'est les loups. Donc l'élan est par là-bas. Alors on pourrait les récupérer leur viande, mais on va pas le faire parce que bon, déjà on est lourd et tout ça. Mais du coup, il faudrait refaire un feu et tout, et j'ai pas récupéré de bois. Comme j'ai dit, on va pas trop... On va, entre parenthèses, perdre du temps à récupérer trop de viande et tout ça. On va surtout utiliser les massettes, on va en profiter. Comme ça, ça nous permet d'avancer assez vite avec les massettes. Et si vraiment on a besoin de nourriture... Enfin, les seules choses que je vais chasser, c'est à côté de chez nous. Il y a encore des cerfs et tout ça qui traînent. Donc on a bien tout dessiné là, ouais. Bon, on a fait toute cette zone, ça je suis content. On a fait toute cette zone, très intéressant. On a vu qu'il y avait des passages en hauteur. Donc faut trouver un moyen de monter. Hein. Faut vraiment trouver un moyen de monter. C'est ça le plus important. Pensez à me dire hein, ce que vous pensez de la zone dans les commentaires. Parce que j'ai regardé un peu... Enfin, de les commentaires que j'ai vus, et du Discord aussi, les gens ont l'air d'être assez contents de cette zone. Je pense qu'elle est bien faite, moi aussi, je pense qu'elle est bien faite. Et encore une fois, il y a du brouillard, il y a pas mal de brouillard. Et il y a peu de tempêtes et le temps est pas mal. Et pas trop froid et pas extrêmement froid. Donc ça permet de pouvoir avancer même en intrus assez facilement. Il y a beaucoup d'endroits pour se cacher. Il y a peu de grottes, j'ai envie de dire. Il y a peu de grottes, mais c'est un canyon, donc il y a des grandes... Enfin, quand on est au sol, en gros, quand on est au plus profond, on peut être assez protégé facilement par les montagnes et tout ça, tout autour. En tout cas, du vent, surtout. Donc, ça se passe plutôt bien. Je l'avais déjà dit la dernière fois, je vais arrêter de le dire, mais... Mais ouais, ça se passe plutôt bien, ça me permet de vite avancer. Donc moi, tant qu'ils font des zones comme ça, donc maintenant on pourrait aller là-bas, on pourrait aller explorer de ce côté-là, si on veut. Ou alors on retourne où il y avait les loups. Ça peut être pas mal aussi. On va voir. Mais voilà, moi je suis vraiment pour faire toutes les zones en intrus, hein. Même nouvelle zone, hein. Moi c'est ça qui me plaît. Mais tant que c'est pas des zones à la con avec genre tempête sur tempête sur tempête tout le temps, ça me va quoi. Après s'il y a que des tempêtes, c'est même pas un challenge en fait, c'est juste pas amusant. On a juste pas envie de rester dans la zone quoi. Là, c'est
là devant moi, là, c'est pas très très haut. Hein. Ça là, peut-être qu'on peut y aller aussi. Ah, je sais pas par où passer. Oh mon dieu, il y a des ponts partout en fait. Regardez-moi ça. Ouais, il y a beaucoup d'endroits. Il y a tout un système en fait. Il y a tout un système avec les... comment ça s'appelle? Avec les ponts, quoi. Ouais, je sens que ça va être chiant de les mettre. On va faire ça. Des fois ils veulent pas bien se mettre à côté, c'est un peu relou. Là on a du mal à apprendre, hein, à attraper. Alors là on va mettre donc la corde. Ça. Alors pour l'instant, j'ai envie de dire que la lampe, on va pas la prendre parce que c'est lourd. Hein. C'est très très lourd de se trimballer cette lampe. Très bien. Mais quand on trouvera une mine où on a besoin de lumière en fait pendant un long moment, on reviendra la prendre. On va encore fouiller un peu. On va aller voir s'il n'y a pas les loups. Oups. Mauvaise touche. Ok, ouais, on a encore le temps, vas-y, c'est bon. Pam 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 pam, c'est parti. Il fait pas très froid. Alors... Alors, où est-ce qu'on pourrait aller? Alors, on va peut-être dessiner d'où on vient. Déjà... Oh là là, il y a un chemin là, il y a un chemin là. Là, il y a la chute d'eau, je sais pas si on peut la monter. Là, il y a un chemin. Là, potentiellement. Là... Là, ouais, après c'est gauche et droite. Mon dieu... mon dieu, tout ce qu'il y a. Ouh, attends, on va voir d'abord là. On va prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur et on va dessiner. Oh! D'accord, soupe de tomates comme ça, complètement abandonné. Ok, deux loups. Oh, j'espère qu'on va bien dessiner là, parce que là on monte assez haut. Je pense pas qu'il y ait un chemin. Oh, on peut peut-être passer derrière la cascade. Ok. Je crois qu'il y a un chemin derrière la cascade. Intéressant. On va se mettre là. Pas mal. Pas mal, pas mal.
pensais que ça allait être un peu mieux quand même, mais c'est pas mal. Bon, faut faire gaffe en bas, il y a au moins un ou deux ou trois loups. Nous, on venait d'où, nous? Nous, on venait de là-haut, là-bas, je crois. Ouais, je pense que c'est ça qu'on a descendu. Qu'on a failli crever, là. Enfin, failli se faire attraper par trois loups. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un sac. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on peut grimper! Non? Ok, on peut grimper. Par contre, je vais dessiner là. Ok, très bien. C'est parti. Je sais pas exactement où on va, mais on y va. On a peut-être trouvé potentiellement un chemin. Pour remonter, parce que là on est quand même assez haut. Hein. Ah, il y a du vent. On tente de dessiner. On aurait dû peut-être attendre en fait avant de dessiner. Et là on est encore plus haut. On a un peu froid. Ouais, ça sert un peu à rien. Du brouillard, il fait plus trop froid, ça va. Quand on commencera à avoir froid, on va partir. Si jamais on trouve pas d'endroit pour se protéger. Enfin, pour se réchauffer plutôt. C'est vrai que j'avoue que ça c'est un peu un problème, c'est de pas trouver d'endroit pour se réchauffer en fait. J'aime pas trop marcher sur la gosse. Bon, après pour manger, on a encore des massettes. On est dans une forêt encore. Enfin, il y a plein d'arbres, donc pour trouver du bois, il ne devrait pas avoir de problème. Ok. Silence radio. Ok, juste là. Il y en a un qui m'a pas senti. What? Ah, vous faites chier en fait. Ok, d'un. Il y en a encore trois. Ok. Il est passé où? Ok, les deux ont fui. Ok.
Les deux ont fui. Il nous faudrait du bois si on veut faire un feu. Vingt-trois minutes. Ah, on va devoir dormir. Bon, on va partir. On va partir parce qu'on n'a pas assez de bois en fait pour entamer un feu. Après, on pourrait rester et faire une sorte de blocage et éviter que les autres loups viennent nous déranger. Mais on va repartir et dormir. Comme ça, on va se réveiller la nuit, le jour. Et on va prendre un peu de bois avec nous. Je voudrais bien récupérer quand même la viande. Celle-là, ça fait beaucoup de viande en fait qui est là, quoi. Bon, c'est pas mal. On a potentiellement trouvé un moyen de... On va le laisser, ça. Potentiellement trouver un moyen vraiment de remonter tout en haut. Genre vraiment au niveau des ponts. Donc intéressant. Et puis il va commencer à faire nuit, on va pas pouvoir dessiner aussi. Et il nous faut plus de charbon. C'est quoi ça? Ah mais c'est un bidon ça. Ah c'est pour ça qu'il y avait une conserve en fait. Il y a des gens qui ont campé ici. Il y a complètement des gens qui ont campé ici. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on dessine genre des flèches et tout ça? Je pense pas qu'on en... Ça va, c'est assez facile à se repérer. Je suis assez content. Donc on remonte après. Qu'est-ce qu'on fait avec les carcasses? Est-ce qu'on prend... On verra le temps déjà. Il n'y a pas un truc que... Non. On verra déjà le temps. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de... On n'a pas de feu, rien. Enfin, non. On n'a pas de nourriture de côté, c'est ce que je voulais dire. Par contre, commence à faire nuit. Très bien. Vingt-cinq, ok, on va mettre ça là. Ok, on va dormir le plus possible. Ouais, du coup, on est obligé de manger des massettes à chaque fois, en fait. C'est le problème. Ouais, on va monter, on va faire un petit feu, on va couper genre une peut-être des steaks, pas mal de steaks. Après, il y a des broussailles à côté, donc on peut genre les casser avec la hache directement, ça nous fait 12 brindilles à chaque fois. Donc le feu, on va pas avoir de problème avec le bois, en fait. Ça va bien se passer. C'est juste qu'il nous faudrait ouais, de la nourriture. Quoi. Alors hop. Elle est pas extrêmement fatiguée donc on va devoir attendre. On va devoir attendre. J'espère qu'il va faire beau par contre. Après, on peut même faire beaucoup de nourriture en haut et puis on la trimballe en bas, quoi. Hein. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas... C'est en pente. Hein, c'est pas très très loin. C'est pas la fin du monde, quoi. On n'a rien d'autre à faire. Comme j'ai dit, on va pas raccommoder pour rien.
parce qu'on a besoin de... On n'a pas les... On n'a pas de tissu en fait. Qu'est-ce qu'on a à prendre dans la maison? Rien. À part un peu de bois, peut-être. Mais je vois rien en fait. En bouteille d'eau, donc c'est à ma droite la sortie. Qu'est-ce que c'est chiant! Parce que regardez, il fait jour quoi. Je distingue un truc. Ok, caisse, étagère. Il y a le bois qui doit être là. Ça va être pour commencer le feu. Ok, très bien. Ah, c'est bon, on commence à voir. Très bien, très bien. Ok, c'est parti. C'est parti! Faites qu'il fasse pas froid. C'était de quel côté? C'est là-bas. On va pouvoir faire des... Du thé et tout ça. Pour se réchauffer. Il y a un loup à gauche. Vous imaginez sans armes ici par contre? J'avoue que c'est la merde. J'avoue que c'est légèrement la merde. Surtout cet endroit. Parce qu'il y a vraiment la bonne maison qui est bien placée. Elle est protégée, il y a un lit, il y a un établi, quoi d'autre. Du coup, attends, je vais faire le tour de ça, voir s'il n'y a pas autre chose. Il y a un établi, il y a tout ce qu'on veut en fait, puis en plus c'est assez dégagé. Il y a plein de massettes autour, il y a des cerfs, mais il y a des loups. C'est ça le problème, donc c'est vraiment très dangereux si on n'a pas d'armes. Vraiment très dangereux. Ah, parfait. On vient de passer la tête à travers les baies, je crois. C'est parti. Faut voir là aussi. Ouais, faut qu'on monte. Il y a peut-être des choses sur les côtés. Ça m'étonnerait, mais c'est jamais. Hein. Si on peut mettre un pied à ces endroits, pourquoi pas y aller? Il faut faire gaffe qu'il n'y en ait pas un qui soit trop proche de nous. On va faire un feu à côté des cadavres, des carcasses.
Ok, très bien. Alors... Starting to feel numb. Voilà. À côté de l'arbre pour les broussailles à droite. C'est surtout ça. Vas-y, ramène-toi. Il va peut-être avoir peur. Ok, on est bon. On devrait être tranquille. Très bien. Ok, toi t'es un peu relou quand même. Très bien. Bon ben voilà, c'est bon. Ben, on est trop loin du feu, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour couper, c'est que 15 minutes à chaque fois à la main, par exemple. Donc, au pire... On fait des allers-retours et hop, on est tranquille. Voilà. Par contre, ça c'est 20 minutes. Ah, bah on est trop loin maintenant, c'est pas grave. Did I say I hate being cold? Because I really do. On a 6 heures. Voilà, on va découper encore le reste des loups. Très bien. Il nous faut de l'eau encore. J'ai envie de dire que notre feu est super mal placé, honnêtement. On va sûrement le perdre s'il fait du vent. Donc, bon. Ouais. Il faudrait des jumelles. Bon, c'est pas très grave. On va prendre ça pour se réchauffer. On va avancer.
On a utilisé un peu de bois pour rien, ouais, une vingtaine de... Une vingtaine... Là, il y a plein de broussailles, ça, c'est pas mal. On a un steak qui est cru, donc si jamais il y a des loups, ils vont bien nous flairer. C'est bien. Je dois dessiner, mais il fait froid. On a une grotte là. Ok, là il fait pas très froid. Très bien. On va un peu s'avancer de ce côté-là, puis après on va explorer notre grotte. C'est pas mal. J'espère que c'est une grotte où on peut rentrer dedans. Parce que bon, si c'est encore les mêmes là, un peu triste. Je peux descendre là ou pas? Non, on va peut-être faire le tour. Bon, déjà on a bien combattu. On a tué combien de loups? 4. C'est déjà pas mal. Là aussi on a plein de brousse. Ça, c'est quoi ça? C'est pas un ours? Pousse-toi, réchauffement, je vois rien. Non, ok. J'ai cru qu'au fond il y avait un ours. Oh, grotte, on peut rentrer dedans. D'accord, ok, bon, 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 bon. Je regarde un peu aux alentours. Là, on pourrait récupérer pas mal de bois, ça c'est bien, enfin de brindilles. Ok, donc on a trouvé une grotte, ça y est, on a trouvé une grotte. Alors, est-ce que c'est une mine, est-ce que c'est une grotte? On voit absolument rien dedans. On voit absolument rien. Par contre, on peut se réchauffer. D'accord. D'accord. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas de fuel pour la lampe. Je crois qu'elle est à 0,85. Je crois. Ce qui est bien, c'est quasiment un litre, hein. C'est très bien. Mais on n'a pas de réserve, donc il va nous falloir des torches. On aurait 3 torches. On aurait une fusée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir avec du bois pour faire du feu à l'intérieur. On peut faire du feu à l'intérieur. Oui, on peut. Ouais. Peut faire du feu, vous savez, faire un gros feu, récupérer des torches, etc., etc., au fur et à mesure. Si c'est extrêmement grand, on sait pas. On sait pas si c'est vraiment grand à l'intérieur. Mais, d'accord. Je vais juste attendre un peu, le temps qu'on se réchauffe. Mais on a notre grotte. Donc, le prochain épisode, je crois qu'on va pouvoir... on va pouvoir un peu explorer dans la grotte. Ouais. Je crois qu'on va faire ça. Pour le moment, on va aller récupérer... On va encore couper un peu plus de loup pour avoir des réserves de nourriture. On va finir l'épisode à faire ça. Et après, on va partir, on va rentrer.
Elle suce beaucoup la hache ou pas? Mais quand même. Elle est déjà à 91%. Après, si jamais on a des problèmes de matériel. Ah, il fait beau en plus, je crois. Quoique, enfin, le temps a l'air pourri, mais il fait jour. Il y a des corbeaux par contre en hauteur. Il y a sûrement un cadavre ou une carcasse tout en haut. Ça m'étonnerait que ce soit ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Si jamais on a des problèmes de matériel, je m'engage à faire une petite pause dans les épisodes et de retourner au lac mystère et reprendre des objets hein, et revenir. Hein. Je le ferai hors épisode parce que sinon ça va être chiant à regarder. Mais on fait ça hein, si jamais on a vraiment des problèmes. Très très bien. Donc une grotte qui était gardée par 4 loups. En tout. Non. Qui était gardé en tout par 4 loups. Donc je pense que c'est une bonne grotte. Sûrement des bonnes choses. Enfin j'espère. C'est la première de toute façon qu'on a trouvé. À 2 heures. C'est la première qu'on a trouvé. Donc j'espère qu'on a des bonnes choses. Je vais utiliser le couteau pour aller un peu plus vite, parce que le couteau il a pas encore été utilisé. Enfin, on l'utilise, mais c'est très peu de pourcent à chaque fois. Il reste à 100%. J'espère que c'est pas un bug. Ça m'étonnerait quand même. Ouais, non. C'est parce que ça a utilisé genre 0... 0,5, 0,6 à chaque fois. Mais je voudrais un peu aller plus vite quand même. Pour qu'on récupère tout. Mais après on pourra faire un feu à côté de chez nous. À notre maison. Voilà, très bien. Il reste plus que le loup derrière, on est bon. C'est quoi ce bruit? Très bien. Ah, parfait. Encore. J'ai envie de boyaux peut-être. Ouais, les boyaux, on va en avoir besoin si on veut recoudre nos vêtements à un moment ou à un autre. Donc, ouais. Il me faut de l'eau aussi. On a encore des... Ouais, on a encore ça.
C'est embêtant hein, cette eau. C'est vrai que le. Il faudrait qu'on fasse un petit moment, qu'on passe une trentaine de minutes à faire de l'eau avec le faitout en fait. Genre ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Ah j'ai pas regardé le feu. On fait le plus possible. Et après on rentre. Et après on rentre et on est tranquille. Pendant un petit moment. Il n'y a que l'eau. Il n'y a que l'eau qu'il faudra faire. On va peut-être même laisser des steaks ici. Je dirais. Non. Ouais, peut-être laisser des steaks ici. Comme ça, quand on remonte, on sera... Enfin, quoi que... Enfin, du pareil au même, honnêtement. Par contre, ah oui, la question c'est est-ce qu'on prend la corde ou pas? Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on prend la corde ou pas quand on revient dans la grotte? J'ai envie de dire non parce qu'on n'est pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Car bon, 5 kilos c'est quand même pas rien. Et on aura déjà la lampe sur nous. Ok, on va passer par là après. Je veux voir s'il n'y a pas quelque chose au bout. Ça va, on trouve toujours des choses à faire là. C'est vraiment bien. C'est vraiment grand. C'est... J'aime beaucoup le... La zone. J'aime beaucoup comme elle a été créée, en fait. Par contre... Juste finir le litre d'eau, là. Minutes. Voilà. Cela, on va les laisser là. On va laisser ça là. Et ça là aussi. Ça nous ferait 4 steaks ici. Ça on prend. Voilà, allez, c'est bon, on part. Attendez. Voilà, parfait. C'est parti, on rentre. On pue la barbaque. Mais là, c'est pas mal. On a 4 steaks ici. On va pas... Parce que si on... En fait, dans cette zone, ce qui est un peu embêtant, c'est que ça monte, ça descend. Il y a des grands espaces et tout. Donc si on met toutes nos réserves à un seul endroit, ça va être extrêmement chiant en fait. Donc je préfère laisser un peu de viande là-haut. De toute façon, en bas, on a plein de massettes en plus. Donc on risque rien. Bon, je veux voir s'il y a un chemin là. Où est-ce que ça mène?
Je suis tenté, hein. Je suis tenté de le faire, mais... Je pense pas qu'il y ait quelque chose, en fait. Mais je suis tenté de descendre, là. Ça faisait comme des escaliers, en fait. Donc ça... À moi, dès que je vois ça, je me dis... Ah, ça y est, c'est un passage, il faut tomber. Donc non, j'ai pas envie de rester bloqué et de devoir me suicider, ce serait un peu bête. Ce serait un tout petit peu bête. Après ça parlait d'une mine, mais bon... S'il faut, ça a pas une entrée de mine, hein. S'il faut, c'est juste une grotte et à l'intérieur, on va trouver... Genre plus profondément, on va trouver des échafaudages, des trucs quoi. Enfin j'espère. Mais après, vu que c'est tellement grand, donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Enfin ça peut être une grotte par dizaine quoi. Mais bon, on verra. Il nous faudrait un peu d'eau. Ouais, comme j'ai dit, il faudra qu'on fasse de l'eau. Les steaks, là, on est bien. On a des boyaux aussi. On a des massettes. On va pouvoir faire des flèches. Parce qu'on a 9 bois. On est très bon. On est très très bon. Donc la prochaine fois, grotte. Voilà, ce sera la prochaine prochain épisode, c'est excursion grotte direct. On prendra des ressources et tout ça, on prend la lampe. Je vais même prendre la lampe directement sur moi, si j'arrive à trouver le coffre. Hop. Voilà. J'aimerais bien faire un truc avec les cailloux là pour mettre la viande dedans. Ça sera plus joli. On va prendre la lampe et on y va. Après, c'est vrai que je viens d'y penser. Si vraiment on veut du fuel pour la lampe, ce qu'on peut faire, c'est aller pêcher. Parce qu'on a un trou de pêche là-bas derrière. On pourrait faire ça. Alors déjà... Ça serait une solution. Par contre, ça prend trop de temps à faire, mais... Ça prend un tout petit peu trop de temps. Je regarde si on peut pas baisser un peu notre poids... Non. Parce que je sais pas trop où on va apparaître, donc faire attention. On va faire ça. 4. 10. Parce que ça aussi, on commence à les utiliser de plus en plus. Stimulant d'urgence, j'ai envie d'en poser un. J'ai envie d'en poser un. Les allumettes 20, ça va. Après, on a le fire steel et tout ça. Non, ça va. Le reste, c'est bon. Ok, le lit. Et on est bon. On est bon, on est bon. Donc, 0,85. Donc, elle est quand même assez pleine. Ça, après, on a 3 torches en plus, et si vraiment on a encore besoin de feu, enfin de lumière, on aura le fusée. Mais entre-temps, comme j'ai dit, on va prendre quelques bois aussi en partant. Donc du coup, on pourra faire un feu et tout ça, et s'éclairer avec les torches qu'on récupère du feu. Donc il n'y a pas trop de problème. La hachette, elle a morflé, en fait. Elle a 91%, alors qu'on a fait quoi, 3 broussailles, là. Moi, je l'ai fait à coup de pied, les broussailles. J'ai pas besoin d'une hachette, quoi.
Enfin bref. Enfin bref. Allez, on boit et on dort. On verra si on a assez d'eau, sinon on fera de l'eau avant de partir. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao. 10h, c'est parti.